Io. Io. Ouais, nickel. Bon, bah bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de la fessée. Alors la dernière fois, je m'étais complètement trompé, hein. J'ai voulu affronter le grand chevalier de la tour, je sais pas trop quoi, l'autre qui nous a dé qui m'a défoncé en boucle, alors que c'est même pas la suite de l'aventure. La suite de l'aventure, je l'ai trouvée, je vais vous montrer. Tac. C'est ici en fait, c'est le château d'Ashina, c'est là-haut en fait. Plus par là, à droite du château. Et donc, merde, ça parle. Donc voilà, j'ai trouvé des choses la dernière fois, donc je vais vous montrer tout de suite. Et effectivement, je dis beaucoup donc. Et donc, tant pis. En fait, je cherchais un truc pour mon bras et je l'ai trouvé. Merde, c'est par là-bas qu'il faut passer. Je vais vous montrer. Que je me trompe pas de bouton. Voilà. Vite fait, hein, je tue l'autre et j'y arrive. Alors, t'es où mon mignon? Voilà. Ça c'est fait. Et en fait, le truc que je cherchais pour mon bras, c'est là. Parce qu'effectivement, j'ai la clé. C'est la fameuse clé que j'ai récoltée sur le pont et que j'avais pas fait gaffe en fait. Comme un gros débile que je suis, hein. Mon gros problème, c'est ça. Et voilà. La corne brisée de Guillaume. Et en fait, ça me permet, si je dis pas de conneries, la corne fait malheureusement. Rébellion, puissance, c'est quoi ce dé... Je sais plus c'est quoi. En gros, c'est pour péter les armures adverses. Donc, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir Papy. Il va. Il va mettre la prothèse. Et puis je vais vous montrer un autre truc que j'ai eu aussi. En fait, j'ai été voir une dame que vous pouvez voir dans la première partie du jeu, qui est dans une maison qui est complètement défoncée. Ah oui, elle va me de... Je crois que Je j'ai une. t'attendais. J'ai trouvé quelques réponses. La source de la peste du dragon, c'est la stagnation dans ton sang. Qu'est-ce qui provoque la stagnation? Le sang ne dispose que d'une quantité de pouvoir limitée. Disons que tu utilises tout ce pouvoir et que tu tentes de revenir à nouveau à la vie. La résurrection aura toujours lieu, mais elle devra tirer son pouvoir d'une autre source. De ceux qui ont la peste du dragon. Je pense. Donc ceux qui ont la peste du dragon, l'énergie vitale des gens, ce qui leur permet de vivre et de fonctionner comme des êtres humains, elle leur a été prise, leur sang est en stagnation. Est-ce qu'on peut le soigner? Oui,
en leur rendant ce qui a été pris. Voilà. D'accord, donc elle vient de me donner une goutte de sang du dragon. Elle m'a donné un charme. D'accord. Je sais plus si j'avais une graine. Je suis contente que tu sois venue, Lou. Je regarde. Ah bah oui, j'avais une graine. Voilà. Je vais pouvoir ressusciter plus. Pas ressusciter plus, n'importe quoi. Donc oui, vous voyez, j'ai débloqué là-bas la statue. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la peste du dragon. La stagnation se répand partout. Une maladie qui conduit à la mort. De quoi parlez-vous? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tu vois. Je ne suis pas normal. J'ai du mal à parler. Maintenant, demande le reste à Emma. Et donc, mais non, c'est pas ça, c'est ça. Donc ça s'utilise comment? D'accord. La prothèse de Shinobi. Apparemment, tu t'y es bien fait. Tiens, voilà pour toi. Ah, qu'est-ce qu'il m'a filé? Un livre de secrets. Les techniques utilisées par la prothèse du shinobi. Permet d'apprendre des compétences de prothèse. Ah, qu'est-ce que c'est? Cela contient des méthodes pour mordre dans tes ennemis avec le croc que tu possèdes. En d'autres termes, des techniques de combat pour ta prothèse. Je vois. Je ne pensais pas que des techniques de prothèse seraient de nouveau utiles un jour. Mais j'avais tort. On va vérifier ça tout de suite. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est là. D'accord, donc ah oui, donc ça marche aussi avec les points de... D'accord.
Pardon. C'est quoi le mieux? Fendoir de chasse. Je sais même pas si je l'ai ça. Non, je l'ai pas le. Je l'ai pas le fendoir de chasse, donc on va prendre autre chose. En utilisant le grappin. Ouais, donc ça peut être. Je crois que c'est. T'attrapes le mec et tu le. Pour projeter l'ennemi, servez-vous de ce mouvement pour accomplir une attaque de sabre. Ah, on verra bien. On testera. Ça c'est la course et la glissade. Ça je l'ai déjà. C'est encore le truc des bruits, mais ça coûte cher quand même. Il y a ça. Je sais pas à quoi ça sert. Au moins que le nombre maximum d'emblèmes spirituels qu'on peut obtenir, détenir. Les emblèmes spirituels sont des manifestations de regret. Ceux qui regrettent leurs actions. Je comprends pas à quoi ça sert. C'est ça qui me fait chier. Je vais faire ça et ça. Voilà, on a dépensé tous les points. On voit ma souris, non? Ah merde, on voit pas ma souris. Ah si, je crois que c'est ça en fait. Je crois que ça parle de ça, mais je sais pas à quoi ça me sert. Je peux pas améliorer le physique, je peux pas améliorer l'attaque. Ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est comme ça. Bon voilà. Donc j'ai été voir une dame. Enfin, je suis tombé sur une dame qui m'a donné une cloche. Cette cloche. Je l'ai mis ici. Et en fait, quand. Comment on appelle ça? Bah ça me fait revivre un souvenir qui se passe 3 ans plus tôt. Donc aujourd'hui on va faire ça. Donc on est au domaine Hirata. J'ai pas été plus loin, j'étais jusque là pour activer le bazar. Et puis je me suis dit, bah non, je vais garder ça pour le live. On va faire ça aujourd'hui. On va voir si c'est long ou pas. Et puis après, après j'essaierai d'y retourner voir l'autre gars pour le buter.
Que s'est-il passé? Des voleurs. Au domaine Hirata, il faut faire vite. L'héritier divin. En quelle année sommes-nous? Quelle année? Oh, quelle étrange question. Réponds-moi. C'est l'année du pèlerinage de la source du dragon. Le pèlerinage de la source du dragon, c'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Le sculpteur parlait d'un vieux souvenir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Mais ça semble appartenir au passé. Le mec, il est mort bizarrement. D'accord, là, il y a 2 mecs. Attends, jamais il se retourne? Ah si, ça va. Ah si, il arrive. Là-bas, il y en a encore un. C'est quoi ça? Cahier de cartes. Moi qui me... Oh putain, merde. Bon, ça commence bien. Hop. Je suis un débile. Ah oui, le truc c'est que comme je l'ai pas loqué, bah forcément. Ah, c'était ce bouton là. Vous y connaissez quelque chose? Un mec
écailles de carpe, les écailles scintillantes de la carpe au trésor. Apportez-les-moi et je vous récompenserai bien. Les herbes divines. La gourde rouge. Fragment de masque. D'accord. Donc en gros, apportez-moi d'autres écailles la prochaine fois. Donc en gros, il faut farmer les carpes. Eh merde, je les avais pas vus. Je suis débile. J'ai voulu tester ma lance et puis voilà. Je savais pas ce que c'était. Ah ça va, ça s'est calmé. Ouais, faut que je fasse plus attention et tout ça, mais je fais encore beaucoup trop d'erreurs. Alors, là ils sont deux.
C'est pas possible de se faire griller tout le temps comme ça. Alors là, il y a des mecs. Grillé par qui? Par lui. Ouais, non, ils sont trois. Mec à l'intérieur. Oh oui. Il est là l'archer qui m'a eu la dernière fois. C'était un cracheur de feu, ne plaisantez pas. Je suis impressionné. T'as pas tort. Cet endroit m'a jamais plu. Mais il fallait trouver le moyen de s'en débarrasser. C'est bon, les autres m'ont pas vu.
non, ça s'est bien passé. Il suffisait de bourrer. C'est quoi ça? Canon en acier qui crache du feu. D'accord. C'est ça le truc que j'avais vu. Je sais plus où. J'avais entendu une conversation où le mec il disait un tube de lance-flamme ou je sais pas trop quoi. Et c'était il y a 3 ans. Donc si je serais jamais venu là, j'aurais jamais eu le tube de lance-flamme. Ah merde, j'ai eu. Alors là c'est moi. C'est complètement moi, je l'avais même pas vu. Satané bâtard, vous êtes le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobi dans le temple et fracassez-leur le crâne, s'il vous plaît. Ouvrez ou gare à vous! Je peux vous entendre à l'intérieur. Je sais qu'il y a quelqu'un. Si vous vous rendez pas maintenant, vous allez le regretter! Hé, hey, vous m'entendez? Hé! Hey. Oh putain, il y a encore des. Ah! On brûle ce temple ensuite, chef. Non, on l'est. On passe au suivant. Mais s'il y a des offrandes, on pourrait les donner au seigneur Tuzu. Ah, ça suffit. On ne vole rien à Bouddha. Combien de fois dois-je le dire pour que ça rentre? Vous fâchez pas après moi, chef. C'est pas ma faute si je suis si bête. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, je me suis foiré. J'aurais peut-être pas dû ouvrir cette porte. Ah d'accord, ouais d'accord, c'est la porte de... Ah bah vas-y, fais encore plus de bruit. D'accord. La hache, d'accord, c'est ça la hache qui parlait. Ça. Oh là là. Ça fait déjà le deuxième. Alors lui, il était sourd et aveugle. Ça fait déjà le deuxième objet que je chope, pas mal.
Par contre, les zones sont tellement grandes. Voilà pourquoi je me perds en fait. Ils ont mis des poulets ici. Par contre, je pensais que ça aurait fait des... Bah, ils auraient hurlé plus fort que ça, en fait. Je crois que c'était pour appeler les ennemis. Seigneur, vous êtes un pilleur aussi? Ah, c'est bon, lui. Bon seigneur, vous ressemblez à un shinobi. Vous cherchez quelque chose? Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cet endroit en premier. Gardez les yeux bien ouverts, hein. Ah, au fait, alors que je venais ici, j'ai vu une pagode à 3 étages en haut d'une falaise. Une jolie pagode. Vraiment jolie. Je parie qu'on pourrait y trouver des trésors. C'est obligé. Enfin, c'est ce que j'en pense en tout cas. D'accord, c'est lui. Ah oui, vous saviez pas. La dernière fois, en fait, je suis tombé sur lui, en fait. Et il m'a dit oui, on s'est déjà vu et tout ça. Avant, j'étais un brigand qui cambriolait. J'espère que les informations que je vous ai données, un truc comme ça vous a plu. Maintenant, je fais plus dans le vol, machin. Et je crois que maintenant, en fait, si on lui donne de l'argent, il te donne des informations, des trucs comme ça. Sur d'éventuels trésors ou... Ah merde, si c'est bon. Ah merde, sont 3. Aïe 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 aïe. Envole-toi. Enfin, envole-toi.
Ouais non, on va se casser en fait. J'ai pas besoin de les tuer. Si je me casse... Ah si, je reste là déjà. Ah là-bas, il y a un mec. Là aussi. Là aussi. Ah oui, mais il y a lui là-bas qui... Ah non, ils sont deux en plus. Je peux pas en tuer deux d'un coup. Ah putain, le mec m'a vu. Ah non, je m'en doutais, hein, tu te fais griller. Alors. Ah ouais, non mais super.
Alors, il y a un boss, d'accord. Est-ce qu'il reste des gens à part lui? Non, ça n'a pas l'air. Alors les estoques, mais ils peuvent être déviés. Également contrer les estoques en les réalisant avec succès. Je crois que je l'ai le truc Mikiri, mais je suis pas. Je suis pas encore doué alors. Je crois que quand il te charge, il faut que tu fonces dans son truc, comme ça. Et ça. Ça le dévie. Comme là, j'étais en train de faire une grosse connerie. Oh non mais... C'est du barbarisme. Ah putain, salaud. Prendre une boulette. Ah ouais, ça marche. Ça sert à rien, mais. Je sais pas ce. Ah bah voilà, il m'a donné des perles. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai spammé et ça a marché. Comme quoi, de temps en temps, faut spammer. Ouais, il faut que j'arrive à jouer plus... Bah je sais pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis gouré de boutons, je me suis reposé. Donc ça fait que tous les mobs là-bas, ils en repop, mais bon, ce qui est bien, c'est que les boss ne repop pas. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Rien du tout. Fleur. D'accord, donc eux sont deux. Ah merde. Bah ça s'est bien passé. Ah merde, j'ai cru que c'était quelqu'un mais non. Tiens, on me propose d'aller là. Dans l'eau. Et tu montes sur le pont, d'accord? Et toi? Dans l'eau et tu montes sur le pont, ok. Je pense qu'il va faire la même chose. Ah non, il continue tout droit. Et tu sautes par derrière, d'accord.
je l'ai loupé. Quel nul. Oula. D'accord. Et t'arrives ici. Et on est où ici? D'accord, ah ok, il y a un mec sur le pont. Ah bah c'est ça la paillotte qui m'avait parlé. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, oh l'enfoiré. Non, c'est pas une boulette qu'il fallait. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est qui ce mec? Oh, je suis mort. Putain, le mec il m'a enlevé toute ma life. C'est de quel côté? C'est par là. Bon, je croyais qu'il descendait, qu'il montait, en fait il descendait. Donc c'était par là. Ah bah ouais, il est revenu là. Voilà, il fait 2-2. C'est là. Ah, il est là-haut, le gars. D'accord. Esquive, esquive.
esquive. Bois, esquive. Oh non, il m'a tué. Putain, c'est pas possible. Comparé à des boss que j'ai déjà affronté, celui-là il est clairement prenable quoi. En plus ça a l'air même pas un boss puisqu'il n'a qu'une seule barre de vie. Bon allez, on va essayer de le défoncer. On lui prouve que bah voilà quoi, faut pas venir chier sur mes plates-bandes. Allez, déjà ça dans ta gueule. Esquive, putain, je te... Dis-moi pas que j'étais bloqué. Ok, super. Je viens de reperdre toute ma vie. Et je suis remort, putain. Ouais, c'est complètement pas la route principale, mais je suis sûr que, vu que l'autre il m'avait dit dans la pagode il y a des trésors, ou il m'a dit je suis sûr qu'il y a des trésors, il y a sûrement une autre arme pour mon bras, pour ma prothèse, et donc... Oh merde! Voilà. Ah mais c'est quoi cette caméra? Il est prenable! C'est ce que juste que faut que je comprenne comment il fonctionne quoi. Parce que là il va faire son truc. D'accord. Bah, le truc déjà c'est que il spam déjà. Non c'est pas là. Ah. Attendez. Si je passe en... Ah mais comment on fait pour changer? C'est pour ceux qui ont des armures. Lui il a pas d'armure. Si je passe en pétard... Ça peut... Ouais je peux peut-être l'aveugler en fait. Ah mais c'est les pétards. Ah, je viens de comprendre. C'est les pétards en fait les trucs. À droite 16, ah bah si c'est les pétards.
Putain, j'aurais dû rester en bas en fait. J'ai voulu appuyer sur les pétards, je suis défoncé. Ah non, ici je suis resté coincé. Non, mais c'est quoi cet environnement là? Vas-y, mais qu'est-ce qui... Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Truc, faudrait que je sais pas en fait, je sais pas la technique. Je sais pas ce que je peux faire pour le. Les pétards, ça marche pas. Vous savez quoi? On reviendra plus tard. Je pense que c'est bien de le tuer parce qu'il va me filer une... C'était pas là qu'il était monté le mec? Me filer une perle, c'est déjà bien. Mais... Plus je suis à combien? Ah ouais, le truc, c'est, je suis sûr que c'est ça en fait. J'ai un truc de puissance d'attaque qui est trop bas. Je suis à 2. Tu fais n'importe quoi en fait. Je sais pas où je suis débarqué mais.
Oh là là. Ne me fais pas ça. Ça va, mine de rien, je m'en suis bien sorti. Il va me tuer. N'importe quoi. Attends, d'abord je vais, voilà, je vais le loquer parce que... Voilà, j'étais en train de faire n'importe quoi. Sûrement pas d'adversaire extraordinaire, ouais, bien sûr. Une zone comme ça. Pas de boss. J'ai un petit doute quand même. Années ont fini par me rattraper. Ah, ne perds pas ton temps à me soigner. C'est inutile. Ah, c'est trop tard. Lou, tu dois prendre ceci. La clé du temple caché. La clé du temple caché dans le domaine... Irata, donné par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Irata. 2. La parole du maître est absolue. Protège ton maître à tout prix. Tu dois le ramener à n'importe quel prix. La clé du temple caché. La clé du temple dans le domaine Irata. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Irata. Merde, c'est où ça? On va retourner en arrière puis on va fouiller. C'est la clé du temple secret dans le manoir du domaine. C'est là qu'est l'héritier divin. Entrer par devant n'est pas possible. Tu ne passeras pas le feu. Je comprends. Oui. Retourne à l'entrée du domaine et cherche une route latérale le long de la falaise. Prends l'entrée de derrière via le cimetière. C'est la seule entrée possible. Compris.
jamais. Le code de fer. Oui. La parole du maître est absolue. Lou, protège ton maître. Au péril de ta vie. Non. Ah. Aller sur ma gauche et suivre la falaise. Si je passe par le cimetière, il y aura un passage menant au manoir. Laissez-moi faire, père. Donc son... D'accord, son père est mort. Donc on va passer par là, hein. Ils ont brûlé tout. Excusez-moi pour les coups de caméra, hein. J'espère que c'est pas trop dérangeant. À gauche. Pas ça, je me suis encore trompé, voilà. Il en restait pas un. Sauvegarde, on prend. Ouais, donc deux perles de chapelet. Ah bah attends, je suis débile. On va se reposer. Y a personne ici.
Je sais pas si c'est par ici. Ça n'a pas l'air. Ah bah, il y a un truc à ramasser. D'accord, donc là il y a des mecs. Combien ils sont? Environ, ouais, 3. Ah oui, il y a un mec ici. Tu t'en es bien sorti, jusqu'à présent. Pour une canaille, tu sembles être un shinobi doué. Mon devoir est de protéger le jeune seigneur. Le seigneur Kuro. Si j'échoue, le seigneur Ishin ne me pardonnera jamais. Affronte-moi! Écoute! Je suis Nogami Kensai! Je faisais partie du clan Ashina quand il s'est emparé de ce territoire! Moi je me casse en fait. Bah je suis mort. Super. Non mais... Ah oui, d'accord, ouais. Il est mort, l'autre. Ouais. Je le disais bien aussi. Il est mort. Enfin, pas le boss, hein, mon collègue. Enfin, mon collègue. Donc ouais, il a ses deux vies, il faut que j'en enlève une.
Et puis... Ben, je sais pas, après on avisera. Hein. Oh non, je me suis foiré! On court. Oh bah oui, bah oui. Monsieur passe à travers les murs. Alors oui, j'ai voulu essayer. Là, il y a un truc. Non. Qu'est-ce qu'il propose? Voilà, et lui aussi. Allez, messieurs, dames, c'est parti. On essaye de le tuer. Ah, il m'a empoisonné. Ça m'a fait mal ça. Oh, je savais pas qu'il faisait deux coups. J'ai vu quand j'ai... Comment on appelle ça? Je sais plus. Alors là, complètement oublié le mot. Merde, j'ai un trou. Comment on appelle ça? Dasher vers lui.
C'est ce que je me disais, mon... Fait grillon, on se casse. Je sais pas, à chaque fois ça loupe. Bref, combien il reste-t-il de mecs? Ah ouais, il en reste encore pas mal. Je vais tuer notre archer là. Ok, super, je viens de me faire défoncer. Il y en a combien de ces cons-là? Fais chier! Déjà que le boss il est tendu.
Allez, c'est parti. Oh merde, mon fil était coincé. Et voilà. Parce qu'il me fait toujours la même et à chaque fois je tombe dedans. Oh, tu fais quoi là? Non, tu fais pas ça. Ah merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait mon bonhomme? Pourquoi il a fait ça? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je lui fais le pétard. Ça lui fait rien. On va aller voir grand-père, on va remettre des trucs sur notre prothèse. Ah oui, il y avait ça aussi. C'est comment les flammes? Ah c'est pareil. On va essayer les flammes. Ça peut peut-être plus l'embêter que les pétards quoi. Voyage. Non mais...
casse. Je brouille, je suis pas. Il faudrait qu'ils viennent. Histoire que je les défonce. Oh, il m'a vu. Il m'a vu, le saligo. Ah merde, il est là. Non non, mais tu peux te calmer. Va te coucher. Ah oui, quand même. Putain, il sait que je suis là ? Je pars par là-bas. Ah oui, ça y est, il m'a oublié. Bon, on va essayer avec le feu. Si ça marche pas avec le feu, bah je ne sais pas en fait. Mais non, c'est pas possible. Bon, allez, on y retourne. Tout à l'heure, je lui avais baissé la moitié de sa vie. Donc, j'ai envie de dire, il y a moyen, quoi.
ça lui fait rien. Non, avance pas en avant, toi, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait pas grand-chose, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah merde, je n'ai plus. Je joue avec le feu. Il y a la moitié. Je savais pas qu'il pouvait me toucher là. Non, comme ça. On va enlever son. On va essayer de mettre les pétards. Ah oui, mais ça marche plus les pétards, d'accord. C'est pour les deux. Bien défoncé. J'ai plus rien. Putain. Non, le débile profond, putain. C'est pas possible, je peux pas être aussi con. Que ça marche avec des charges. Ah ouais, ça marche avec des charges, putain.
Ça, ça avait bien marché. Attends. Bah voilà. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Je me disais aussi. Ça va les mecs, les ennemis de base quand tu bourres au bout d'un moment ça passe. Enfin ça leur pète leur garde et... Il lui reste quoi? Il y a les deux mecs au bouclier. Non, un seul au bouclier. Ah oui, donc c'est ça qu'il faut faire. Et ça. Oh ! J'ai failli mourir. Pour l'instant j'utilise le feu, ça a l'air de bien se passer, on verra après. Ah, il y a mis un nuage de poison, d'accord. Merde.
suis pas assez près. Ah merde, j'ai plus de feu. Bon, je vais enlever quand même le haut-chez de sa barre. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à assurer. Mais viens. Bah ouais, je suis un débile. Putain d'arme de merde. Ça marche si j'envoie des shurikens? Ouais, j'ai déjà plus de shurikens, ok. Bref. Bon allez, on le fait. Merde, on essaie de le finir. Eh ben c'est bon, c'est une victoire. Écoute, je suis Nogami Gensai. Je faisais partie du clan Ashina quand il s'est emparé de ce territoire. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait, samouraï, là? Ah, faut pas que je m'emballe, hein. Il y a encore des mecs qui m'ont vu.
Alors toi, tu tires avec des flèches enflammées dans un truc comme ça. Il a l'air futé, lui. Merde, je croyais que ça faisait comme... Ah bah si. D'accord, il y a certaines parties du décor qui se détruisent, mais pas d'autres. Merde, j'ai pas vu, j'étais quoi? Madame? Le fils de la chouette. J'ai vu une chose horrible. Ça n'arrêtait pas. Encore et toujours. Ça n'arrêtait pas. Sans arrêt. Le jeune maître. Le jeune maître est au fond du manoir. Mon fils. Inosuke y est allé. Je crois qu'il va bien, mais... Mais on ne sait jamais. Le jeune maître a besoin de vous, Shinobi. Allez le voir, je vous prie. Ce serait pas elle qui m'a donné la cloche, qui m'aurait donné la cloche? Parce qu'en fait, je dis ça parce que son fils... elle m'appelait Inosuke, en fait. Et son fils s'appelait Inosuke. Et on le croise, il est juste à côté d'elle, pas très loin, mais... elle le voit pas. Et... ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait que ce soit elle. 3 ans plus tard qu'il me le donne, mais... Je vais me reposer. Ça fait repop les mecs, mais si le jeune maître il est au fond, je pense que... Ouais. Ça sent le boss. En tout cas là il y avait un garde. Technique d'illusion. Sans graines de bouterolle, vous ne pourrez pas la vaincre. Tenez, c'est peu, mais c'est tout ce que j'ai. Alors, des graines de bouterolle qui font du bruit en explosant, elles sont utiles pour contrer les effets des techniques d'illusion. Si une illusion se produit, c'est qu'elle a été créée par quelqu'un pour vaincre les fantômes et redevenir à la réalité. Il faut vaincre le créateur de l'illusion. Les graines de bouterolle
sont alors très utiles. Ah bah c'est sympa, il m'a donné une graine de boutrolle. Peut-être vieille sorcière, en bref, bataille aérienne forcément. Super, donc j'avais raison, un boss. Oh le décor, comment c'est magnifique! Les statues sur le côté, le... Mère. Mère. Les papillons, ils ont disparu. Tout le monde a disparu. Monseigneur. Technique d'illusion. Ah. Cela faisait longtemps. De la chouette. Dame Papillon. Partez. Qui êtes ? Faites ce que vous avez à faire. Oui. Fils de la chouette, et si nous dansions? Dame Papillon, pourquoi? Oui, pourquoi? Tu mourras, toi, gamin. Merde, je l'ai perdu. Ah non, il est là. J'ai du soin sur le côté et je m'en sers pas. On va essayer sur elle, ça marche peut-être. Là, elle est en train de me tuer. Merde, qu'est-ce que je me fais? Je me suis gouré.
Mais non, je veux... D'abord tu lui balances ça et après tu lui balances le feu. C'est bon, je l'ai cramé un peu. Aïe, aïe, aïe. Bon coup, bon coup, bon coup. Il est où ? Mais non ! Bon, tant pis. Je vais remettre ça. Ça. Tac, et c'est bon. Oui, on va essayer de la tuer legit. Ça marchera pas. Je suis pas protégé. Alors, elle est très dure. Sauvé. Merde, j'ai enlevé mon truc. Bon, bah, je suis mort. Non, je pense pas que le feu ça marchera. D'accord, elle m'a chopé, elle m'a défoncé direct. Pourquoi pas? On va essayer les pétards. C'est quoi cette technique? Tu étais encore seulement un chiot. Ok, la... Elle one shot. Donc non, je sais pas quoi faire. On va réessayer. Et puis si ça marche pas, on va
On va essayer d'affronter l'autre chevalier, l'autre samouraï de la dernière fois. Et bon, on l'a eu. Avec patience. Impressionnant, gamin. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais... Ok. Ah, j'aurais dû sauter. Ah oui, d'accord. Non, mais je comprends. Non, je comprends. Tu faut la battre une fois et après faut. C'est là les illusions qui rentrent en jeu et tout. Non mais. On va essayer l'autre avec le. On va essayer de briser son armure. Ça a l'air d'être un bon challenge. La dame au papillon.
Pareil, il y a l'autre aussi, le mec à la pagode là. Monsieur, j'ai une armure là. Bon bah voilà. Il m'a défoncé. J'ai déjà perdu une barre de vie, super. Thank you.
Super, j'ai dépensé toutes mes gourdes. Ouais, mais j'ai beau esquiver son coup, j'ai pas la contre-attaque derrière. Non, je sais pas. Bon là je vais essayer de pas me foirer hein. Non en fait j'y arrive pas hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va essayer avec le feu. Est-ce que ça va le déranger? Est-ce que ça lui enlève non, là fallait sauter. Ah merde, je suis tombé. Mauvais sens. Mmh.
Je sais pas si ça... Ça fait vraiment quelque chose. Non, c'est juste que il me défonce et puis c'est tout. Elle peut arracher les armures. Ouais, je... C'est peut-être ça la solution, c'est peut-être ça. Mais on va essayer, mais... Alors, il y a un endroit... Il y a un endroit que je me suis... un peu spolié, mais c'est pas de l'histoire en fait, c'est dans un donjon. Là où il y a les moines en fait. Et ben... Là il y a un truc où l'arme elle sert, mais... Et ils disent que ça sert aussi contre les armures. Comme lui il est une armure, je me dis que... Ouais, ça peut peut-être être ça, quoi. Après... C'est vrai que ses attaques à lui sont... J'ai oublié de... Ah bah je suis mort. Ah non, j'ai cru que j'étais mort. Mais non, c'est pas... Non, ça va pas en fait, hein. Cette lance-là. Ça ne va pas du tout. Faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, je joue à un autre jeu en ce moment et... Bah, le bouton, en fait, A et B sont inversés. En fait, je pense que lui, là-haut, si je le tue, il va me filer son... Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Je crois qu'il a un truc de chapelet aussi, lui. Tuashina. Nous devons risquer nos vies pour le seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Pourquoi je saute ? Et je suis mort.
Non, j'ai fait n'importe quoi en fait. J'ai voulu attaquer en même temps. Non. J'aurais dû l'attaquer, reculer dans la petite cour comme j'ai fait la dernière fois. Et... C'est pas grave. On va recommencer. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de Tuashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous. Non mais là c'est du chacal. T'es trop énervé mon gars. Non, j'ai esquivé. Putain, c'est pas possible. Les mecs, comment ils me découpent, c'est pas possible. Mon personnage est en papier. Attendez, il y avait un truc que j'avais vu la dernière fois. Revivez une bataille contre un adversaire extraordinaire. Si je le fais, ils vont me redonner. Bah non. Non, il me l'a donné une fois. En fait, le truc pour monter l'attaque. Souvenir. Si, je vais essayer. On va essayer. On va essayer de re-affronter Gyobu. Puis on verra s'ils vont me donner un souvenir. S'ils me donnent un souvenir, bah, je vais pouvoir monter ma force quoi. Par contre, on va se mettre en pétard. Hein. Yobu Masataka Oniwa! Sur mon honneur, sans attendre petit! Onigiri chargé! Petit, laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui s'est mené aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de ce pays! Ah, il m'a tué. Mais non. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sûrement. Ah merde.
Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bah, vous savez quoi? Et ben, on va pas le faire. On va faire le temple. On va faire les moines. Je pense qu'il y a bien un mec que je vais affronter et qui va me redonner une perle pour monter ma vie, quoi. Ok, super. Oh putain, il m'a vu. Ah oui, c'est vrai que... Hop. Il y a des moines.
Ah, ils savent pas sauter. Oh non, je suis un débile. Non, mais c'est. Je suis clairement un débile. Parce qu'en fait, il y a un objet là au milieu et je le veux. Je sens que c'est un truc intéressant. Ouais, j'en étais sûr. Alors, notre but c'est d'aller je sais plus, je crois que c'est tout là-haut. Ça c'est des mecs random. Alors, ça va toujours? Ouais, c'est compliqué, mais on va dire que ça va. Ça ninja bien? Ce ninja moyennement. Disons que je serais un vrai ninja avec ce niveau-là. Ou alors c'est toi qui te fais ninja. Ah putain!
t'ai déconcentré. Je viens de tomber dans le vide. Voilà, t'as qu'à dire que c'est de ma faute, comme ça les gens ils penseront pas que t'es nul. Oh non, ils le voient très bien que je suis nul. Je sers de faire valoir. Ils le voient très bien que je suis nul. Hein. Merde. Bon, accroche-toi, fais pas semblant là. Ah voilà, ça c'est bien. Parce que comme ça j'aurais pu toute la route à me taper. Bref, que faisons-nous? On faisait ça. Est-ce qu'il y a un truc par ici? Oui, il y a un truc par ici. Ah merde! Je vais me faire buter par ces cons. Hein. Bah ben, je suis mort. Soupa. C'est pas possible, la barre qu'ils enlèvent, même des monstres comme lui. Non, faut remonter. Et je suis mort, comme une grosse merde. Oh là là, c'est pas possible. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait tous ces moches là. Non, non, qu'est-ce que tu me fais? Tombe pas dans le trou. Deuxième chance. Bon, bah on va pas tenter une troisième fois. Hein. Oh, putain, je suis sûr qu'il y a un truc bien en plus. Attention à la déception. Ouais. On dira qu'on n'a rien vu. «
Je suis nul. Je crois que c'est ici qu'on va trouver notre... Qu'est-ce qu'il disait lui ? On va aller voir par là. Pour le salut de mes garçons, baisse ton épée. Je ne le ferai pas. Tu es un idiot! Bah ça s'est bien passé. D'accord. Peut-être dans son dos. Faut peut-être le taper dans son dos, en fait. Oh! J'avais. Putain, la. J'ai pas vu la longueur de. Aïe! Non, mais il a une de ses allonges! Non, mais c'est pas. C'est pas possible! C'est quoi ça, c'est quoi la technique pour le buter? Ok, super. Maintenant, il s'accroche même plus le bonhomme. Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh là là, oh là là. J'en ai marre de faire des conneries comme ça.
Et le pire, c'est que... Je vais vous dire c'est quoi le pire. Hein. Je rush un endroit que je n'ai jamais vu. Je suis débile. Pour le salut de mon garçon. Bouge. Putain. Il était coincé dans le mur, je sais pas trop quoi. Non mais la longe qu'il a. Je sais pas, hein, c'est difficile à voir. Qu'est-ce qui est difficile? Bah je sais pas, il y a un mec, il est en armure de chevalier. Et... Regardez sa vie de fer avant. J'ai une... Bon, vas-y, c'est bon. J'ai une arme qui est censée détruire les armures, mais... Mais contre lui, je sais pas où en fait. Où il faut le taper, précisément. T'as pas une vision d'aigle ou un truc comme ça là, dans les jeux actuellement Non, ça c'est du. Non, lui il est plus en mode. Ah bah tant mieux alors, hein, parce que dans les jeux actuels, je t'appuie sur un bouton, on dit où est-ce qu'il faut taper, quand il faut taper, et puis. Ah non, lui, c'est un Souls, hein, carrément, le jeu que je joue, c'est un Demon Souls, Dark Souls, c'est basé sur le skill de la personne, et vu que j'ai zéro skill, bah... Il est là sur le pont. Il est là, ouais. En fait, j'ai cette arme-là. Pour le salut de mon garçon. Et cette arme-là, ça dit bien que... Ça perce les armures. Ça perd ses armures, se marque à la deuxième ligne. Les ennemis légers, non c'est pas ça. Troisième ligne, cette arme peut même arracher les armures. Ouais. On appelle ça le démembrement d'armure. C'était l'une des techniques de Gyub. Tu peux choisir où tu tapes précisément sur l'armure. Attends. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Merde, c'est moi. Merde. C'est moi qui me trompe. Voilà. Enfin. Il m'a... Putain. Attends. Voilà. Ah bordel de... Il va me crever. T'as tout ça parce que j'ai fait des conneries dans le menu. Pas vraiment en fait, c'est genre je tape tout droit quoi. Peut-être qu'il faut taper sur le côté. La longe qu'il a en plus. Ah bah c'est une rapière, donc enfin c'est une arme à deux mains, c'est normal. Je regardais dans Claymore, pardon, pas une rapière. Ouais, je regardais dans son dos en fait, je me suis dit. Mais putain, j'ai esquivé pourtant. Mais avance pas. Oh, tu vois, quand tu veux, je suis impénétrable. Mon fils. Deux fois, j'ai vu ça. Ah, c'est parce que je peux revenir une fois, mais... J'ai l'impression que je peux... Non, qu'est-ce que... T'es parti où, toi?
Oh là là. Merde, mais... Ah putain, c'est pas le bon arbre. Voilà, ça c'est un brûlant. Casse les couilles. Il m'a enlevé toute mon énergie, enfoiré. Oh là là, non, c'est... J'ai pas du tout compris le concept de ta barre de vie. Ah bah ma barre de vie n'existe pas en fait. Ah t'as pas de barre de vie, d'accord. Enfin si, j'ai une barre de vie, elle est en bas à gauche. La petite barre rouge. Ouais. Mais les mecs ils tapent tellement fort que ma barre disparaît très vite. Donc Regarde les fragments pour voir comment ils ont fait les autres. C'est bien ça que ça sert, non? Comme dans les Dark Souls. Ouais. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Oh, mais c'est pas possible. À taper sur mon siège, je vais le péter. T'as repéré son pattern? Bah... Putain, mais il a une de ses allonges de ouf, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas esquiver! Je peux rien faire! Tu pars en arrière, il te touche quand même, tu fais à droite ou à gauche, il te touche quand même. J'ai pas vraiment compris comment il marche. Alors j'ai pas repéré tous ces patterns parce que j'ai pas regardé longtemps, mais son coup le plus fréquent c'est un coup du haut vers le bas et en diagonale, suivi d'un coup d'estoc. Quand il fait le coup en diagonale, t'as juste à reculer, et quand il fait le coup d'estoc, à aller à droite ou à gauche. En fait, je suis débile parce que le coup d'estoc, je peux le. J'ai une technique pour le dévier. Faut pas chercher à le dévier, il faut chercher à l'esquiver pour pouvoir remettre un coup directement. Tu vois, coup latéral, coup d'estoc. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai roulé deux fois. J'ai esquivé deux fois. Thank you.
peut-être là tu lui fais zéro dégâts. Ah putain. Ah c'est parce que je veux lui péter son armure en fait. Pour après pouvoir lui faire des dégâts mais... Ouais d'accord, super. Ok, laisse-moi le temps de jouer quand même un petit peu, non ? Ouais, t'as pris dans un coin, je viens de voir ça. Putain, c'est... Heureusement que t'as le revive infini. Bah oui, c'est fini les jeux où t'as 3 continues et puis c'est fini. Non mais je veux dire c'est... Ah non, là c'est un checkpoint. Il y a des jeux où t'as des malus quand tu fais ça. Ah, j'ai un malus aussi mais... C'est quoi ton malus? Je sais plus, il y a un truc d'âme, j'ai pas compris. Mais ça change rien de toute façon. Je suis tellement en mousse que... Qu'avec ou sans malus. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Je suis sûr que ça sert à un truc, ma lance. Ça sert pour lui, c'est pas possible. Parce que quand tu le tapes à l'épée, ça lui fait zéro dégâts. Et donc l'arme que j'ai, c'est bien pour lui enlever son armure, mais... Faut lui mettre combien de coups aussi pour enlever son armure ? Je vais devoir regarder sur internet, sur YouTube, et je vais devoir me faire 30 vidéos parce que les mecs tuent ce bonhomme là, mais chacun d'une façon différente. Et... Avant que je trouve si la lance ça sert vraiment ou pas. D'accord. Je viens de lire moi. Alors ? En fait, tu peux pas lui faire de dégâts. Oui. D'où la lance. Mais avec aucune arme. Pour le tuer, faut le faire. Tu veux le spoil ou pas? Ouais, faut le faire tomber. Il faut monter sa barre de posture et ensuite lui faire une exécution quand il est tourné aux côtés du pont. Faire tomber dans le vide. Oui, oui, il y a ça, mais... C'est vraiment... T'as regardé un truc ou t'as lu une solution? J'ai lu une solution. D'accord. Il prend pas de dégâts peu importe l'arme que tu utilises. Tu peux pas le battre. Ouais, mais t'as bien tu vu que le... Tu peux que le tuer en le jetant du pont. En fait, je sais pas comment tu remplis une barre de posture, mais faut esquiver ses coups, quoi, c'est tout. Non ? Non, faut que je le tape, en fait. Faut que je le tape qu'il se protège, mais même s'il se protège, en fait, faut que je le tape. Ça fait monter une barre en haut. Bah, dans ce cas-là, prends une arme différente. T'as pas une arme qui te permet de bouger plus rapidement pour l'esquiver plus facilement, je sais pas. Non. Non, j'ai mon katana, mais. Pour le salut de mon garçon, laisse ton épée. Quelle distance ? C'est le truc au milieu en haut. Ouais. Et celle d'en bas, c'est la mienne. Ouh là là. Ah oh bah oui, boss. Ah oui, j'avais oublié aussi. Les mecs, ils sont à tête chercheuse aussi, leur coup. Genre, des fois, il prépare son coup, tu fais une esquive sur la gauche, et le mec, il dit bah non. Je te vois esquiver sur la gauche, je te suis en fait. Et tu dis. Ouais, non mais de toute façon, lui, quand t'es trop près de lui. En fait, faut jamais être trop près de lui.
faut toujours garder une distance et mettre un coup de pique. Et garder une distance et mettre un coup de pique. Parce que dès que tu te mets proche de lui, son pattern, c'est de faire un coup latéral. Limite, il fait un 360 avec son épée. Donc c'est imparable. Juste te colle jamais de trop. Ça c'est très bien. Même le petit bonhomme il t'a tué. Ouais. Ah oui, c'est des... ces merdes là, ils sont hyper chiants. Tout à l'heure t'avais réussi à lui sauter dessus et à le tuer en un seul coup. Ouais. Bah là ça va marcher, il m'a pas vu. Ça rappelle vraiment les vieux films japonais avec les gerbes de sang faits avec une pompe à vélo, quoi. Ah oui. Le tuyau d'arrosage de sang à chaque fois que quelqu'un se fait égorger ou se prend un truc dans le bide. L'industrie du cinéma japonais en a dépensé du sirop de grenadine. Là, je viens de te voir faire quand c'est un coup d'estoc, ne l'esquive pas en reculant. Ouais, c'est un coup d'estoc, c'est sur le côté. Merde, mais pourquoi je chasse ? Je mérite de mourir. Je fais n'importe quoi. J'ai deux boutons à gérer et je me cours entre ces deux boutons là. Donc tu vois, tu vois à quel point je suis nul. Non mais je vois même pas, je me vois même pas. Parce que je vois la caméra est très bien gérée, ouais. Parce que je constate les contrôles sont pas si faciles que ça. Enfin, après t'es à la manette, je suppose. Ouais. Oh putain. Allez, va te faire foutre. Est-ce que t'as une arme qui assomme plutôt qu'autre chose? Non. Une arme avec un impact très fort. Pour le salut de mon garçon, laisse ton épée. Oh. Non mais attends, je reprends de la vie. Vite, reprends ta vie. Ouais, je persiste et je signe, mais je suis sûr qu'on peut lui enlever son armure. Non, on peut pas. Il fait partie du scénario, c'était écrit. Tu peux rien faire contre lui à part le jeter du pont.
quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait un nouveau truc! Ah non, mais si tu... Non, ça va pas. Comment il s'est vénère? Je sais, il m'a fait un nouveau truc, du genre, tiens, j'ai une nouvelle attaque, je vais la tester sur toi. Je l'ai jamais vu, donc forcément... Au niveau du pattern, ça aide pas. Bon, bah vu qu'on peut pas lui péter son armure. Bah non. Et c'est peut-être une arme qui a plus d'impact, qui va faire monter sa barre plus vite, je sais pas. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Super, ça lui fait bien. Non mais... Attends, c'est de la... Frappe-moi tant que tu veux, je suis impénétrable. Mon fils, aura l'eau. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, vu que j'en peux plus. Je suis à deux doigts de casser quelque chose chez moi, et vu que je n'ai pas envie de casser quelque chose... Eh ben on va s'arrêter là. T'as bien raison, au bout d'un moment faut savoir dire stop. La prochaine fois on reprendra l'aventure, on évitera les donjons de ce genre. Bien que j'avais bien envie de le tuer lui. Non, faudrait que je tue l'autre là. Attendez. On va aller tuer l'autre samouraï là. Histoire que je... Ouais, c'est pour monter ma vie, mais... Ce que je voudrais, moi, c'est monter ma... Mes dégâts. Bah, en l'occurrence, contre lui, ça sert à rien. Oui. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Bon, alors tu... La bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. C'est lui que t'arrives pas à tuer? Ouais, il est avec ses potes. Et des fois, en fait, il spam et... Ah non, celui que je dois tuer, c'est un autre... qui est vraiment chiant. T'es gentil, tu me laisses 5 minutes. Ouais, t'as bolos contre le mur. Non, non, non. Fais chier, enfoiré. Ah, fais chier, fallait sauter. Voilà. Ça fait plaisir. Donner une perle.
Ouais, c'est ça les artefacts que je te disais. Pardon. Ah oui, non mais c'est normal que je sois mort. J'ai foncé comme un gros porc. Tiens, il y avait un coffre ici. Une herbe. Ok, donc c'est cool. Faut prendre la vie, non? Ça remonte tout seul? Non, ça remonte pas tout seul, non. Prendre la vie alors. Donc j'ai mes perles, je peux monter mon physique. Voilà ma barre de. Ah bah. Caractéristiques physiques améliorées. Mais c'est le problème, tu vois, c'est là. P d'attaque. Juste au-dessus de la barre bleue. Ouais. Je suis à 2. Et ouais. Bah je tape pas fort en fait. Et donc. Ouais. Je trouve comment on l'augmente, mais il faut en fait dès que tu tues des boss, mais des vrais boss, ça te donne ça te donne un souvenir, et avec ce souvenir là tu peux le faire monter de un truc, mais quand tu tombes sur des autres mecs bah comme là les boss intermédiaires genre le chevalier ou d'autres, bah si tu tapes pas assez fort bah, c'est marqué juste en dessous améliorer la puissance d'attaque. Ouais, mais il va me dire voilà, vous n'avez aucun souvenir. Ah donc tu peux monter ta puissance d'attaque que avec des souvenirs. C'est ça. Tu sais comment faire. Oui, il faut tuer des vrais boss, des vrais gros boss en fait. Et vu que tu t'apprêtes à affronter un boss, profite pour te refaire du soin, t'en as plus que deux. Ah oui, non mais là c'est. Oui. Guérir compétence. Pareil, ça comment ça marche? Attaque au grappin, j'ai même pas vu. Ah oui, mais faut l'équiper aussi, c'est pour ça. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça, les trucs de soins. Et on va garder les deux points. Bah voilà, ouais. Donc ce coup-ci, on va s'arrêter. Tu voulais pas faire le samouraï avant? Ça y est, je l'ai fait, c'est lui là, c'était samouraï là. Ah ouais? Oh d'accord, je crois que c'était un boss moi. Non, c'est des sortes de gardiens, sortes de mini-boss. Ouais, bah là c'était général, je sais plus trop quoi. Ouais, voilà. Après, j'en ai un autre de samouraï à tuer, mais pareil, quand je vais le tuer, il va me donner une perle. Et pour l'instant, j'ai pas besoin en fait. Enfin, si j'en ai besoin, mais il faut que je tue 4 boss pour avoir une paire. Non. À chaque pour fois que tu. Une compétence. Ouais, non, pour remonter ma vie en fait. Tu vois, regarde. Ah, les perles, ça sert que la vie. Ouais, les perles de chapelet, il m'en faut 4 pour monter ma barre de vie. D'accord. Voilà. Donc. Ah bah c'est nickel. On va s'arrêter là. La prochaine fois on va continuer l'histoire. On va reprendre la route de l'histoire. Donc on verra bien. On va se faire défoncer ou pas.
J'ai encore deux. Attends que je calcule. J'ai un boss à tuer. Deux mini-boss sur le côté. Trois mini-boss sur le côté. Ah, à un moment donné, il va falloir que je m'occupe du boss. La dame au papillon. Ouais. Bref. On s'arrête pour l'instant et... Bah, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît, même si ça me frustre autant. Et je vous dis... ouais. Merde, comment ça se... Ah oui, comme ça. Et bah, je vous... Bah, elle est où, ma souris? Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À ciao.